Bonsoir à tous, merci d'être là. Merci à Boris Cyrulnik d'avoir accepté notre invitation. Boris Cyrulnik, vous êtes neurologue, psychiatre, psychologue, directeur d'études en éthologie à l'Université de Toulon. Vous avez publié de nombreux ouvrages, une trentaine, dont beaucoup de best-sellers comme « Ce merveilleux malheur » ou « La vie t'appelle » ou « Ivre paradis, bonheurs héroïques » pour parler d'un livre plus récent. Et vous êtes connu, célèbre, pour avoir popularisé en France le concept de résilience qui désigne cette capacité que nous avons à surmonter une souffrance, à rebondir après un traumatisme. Et cette réflexion sur la résilience est inséparable de votre histoire personnelle. Vous êtes né en 1937 à Bordeaux, dans une famille juive d'Europe de l'Est. Vos deux parents sont morts en déportation. Vous avez été orphelin très jeune, enfant caché durant la guerre, et vous avez échappé à une rafle en 1944, commanditée par Maurice Papon, alors que vous aviez 6 ans. Situé au carrefour de plusieurs disciplines humanistes, votre œuvre explore la psyché humaine, ses blessures, ses carences, mais aussi ses nourritures affectives, comme vous le dites, sociales, culturelles. Et ce qui me conduit vite à vous poser ma première question. Donc, vous vous êtes toujours intéressé à l'homme, de l'enfance à l'âge adulte, mais vous ne vous étiez pas encore penché sur le cas de Dieu. Et c'est chose faite aujourd'hui, puisque vous venez de publier Psychothérapie de Dieu aux éditions Odile Jacob, votre éditeur principal. Et donc, est-ce que pour vous, Boris Cyrulnik, Dieu est un patient comme un autre ou... Alors, non, Dieu n'est pas un patient comme un autre, c'est un patient divin. Mais j'ai trouvé ce titre en lisant Elie Wiesel, qui dit « Dieu souffre parce que le mal existe ». Donc je me suis dit, si Dieu souffre, il faut le prendre en psychothérapie. Vous avez accepté de le soigner alors. Alors il a accepté. Il a accepté. Oui, oui, tout à fait. Et qu'est-ce que la neurologie peut nous apprendre de Dieu alors ? Alors je ne voulais surtout pas parler d'histoire des religions ni de dogmes, parce que je suis certain que dans la salle, beaucoup de gens connaissent mieux ce problème infiniment mieux que moi. Mais il y a très peu de travaux sur l'effet psychologique et neurologique que ça fait de croire en Dieu. La croyance en Dieu modifie le fonctionnement cérébral, donc nos émotions, donc nos relations. Et ça, je crois que ça a été jamais traité ou très peu. Il y a une chaire de psychologie de la religion au Québec, il y en a une autre à l'Institut catholique de Louvain, mais c'est pas encore très connu. Donc je me suis dit, il faut s'attaquer à ce problème, puisque les gens avec qui je travaillais dès 1993, quand on a lancé des groupes de recherche sur la résilience, me disaient, je suis croyant, Dieu pour moi est un facteur de résilience. Alors je leur disais, d'accord, tu dis ça, mais est-ce qu'il y a des travaux scientifiques ? Est-ce qu'il y a des populations ? Est-ce qu'il y a des évaluations ? Non, mais je leur disais, c'est un témoignage intéressant. Il faut en tenir compte, mais il n'y a pas de travaux scientifiques. Ça, c'était en 1993. Donc aujourd'hui, c'est faux. Il y a des travaux passionnants. Et puis, il y a un livre remarquable qui est... qui vient de paraître. Et comment alors comprendre que la croyance, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus immatériel, de plus invisible, laisse une trace, une marque dans le cerveau, et comment on peut le mesurer, le voir, si c'est le cas, enfin. Eh bien, vous posez cette question parce que vous avez trop lu Descartes. Ah, peut-être. Et que Descartes sépare l'âme et le corps.
Et il fait comme vous l'avez fait, il faut qu'il y ait des causalités linéaires. Une cause provoque un effet. Alors que dans les théories de l'attachement, l'attachement à Dieu, on raisonne de manière totalement différente. Je pense que les êtres humains sont fondamentalement croyants parce qu'ils parlent. Et que le simple fait, ils parlent et ils s'attachent. Et que le simple fait de parler, ça fait en articulant une sonorité, on peut provoquer une représentation de quelque chose qui n'est totalement pas là, et comme vous l'avez dit, qui est invisible. Et pourtant, cette représentation déclenche en nous des sentiments très forts, parce que les représentations agissent sur nos émotions, donc sur notre cerveau, plus fortement qu'une perception. Et si vous ne croyez pas, allez au cinéma, allez au théâtre. Au cinéma, vous avez beau savoir que c'est un écran, que c'est des comédiens, que ce n'est pas pour de bon, s'ils jouent bien, vous allez avoir la gorge serrée, vous allez pleurer, vous allez vous fâcher. On a beau vous dire que ce n'est pas pour de bon, eh bien, la représentation possède un pouvoir d'évocation intense et vous allez rougir, vous allez pleurer. Si on vous fait une résonance magnétique nucléaire pendant que vous êtes au cinéma, ce qui se fait couramment, il suffit de mettre la tête dans une énorme casserole et on voit le cerveau fonctionner. C'est assez incroyable, c'est un miracle de la technologie. On voit le cerveau fonctionner. Et Mathieu Ricard, qui est un biologiste de très bon niveau, il est à l'Institut Pasteur et qui maintenant est un moine bouddhiste, se sert souvent de cette expérimentation que je vais vous raconter. C'est-à-dire qu'il prend une population de gens croyants et une population de gens non-croyants. Et il dit aux non-croyants, quand vous étiez enfant, vous avez appris les prières, catholiques, juives, musulmanes, peu importe, priez, vous êtes non-croyants, mais priez. Le cerveau s'en fout, il ne répond pas. Là, il y a une population de croyants, quelle que soit votre croyance, faites la prière que vous avez appris à faire. Et dès l'instant où les croyants se mettent en prière comme ils ont appris quand ils étaient enfants, ou plus tard s'ils ont découvert Dieu plus tard, le fonctionnement du cerveau instantanément change. Et c'est facile à comprendre. Si je vous insulte, vous allez devenir blanche de colère, et si je vous fais un compliment, vous allez devenir rose d'émotion. Donc rien qu'en agitant la langue, j'ai modifié sa biologie. Parce que pour devenir blanche, il a fallu que ses vaisseaux se serrent. Et pour devenir rose, il a fallu que ses vaisseaux se dilatent. Donc ça veut dire qu'une représentation modifie le fonctionnement cérébral. Et on le photographie, on le dose. L'ordinateur dose l'épaisseur du circuit limbique qui sont deux anneaux à la face interne des hémisphères. On voit que l'amande du rhinocéphale, qui est le socle neurologique des émotions intenses, dès que les croyants se mettent en prière, l'amande s'éteint. C'est-à-dire qu'il contrôle les émotions insupportables d'angoisse, de colère ou de désespoir. Donc on voit fonctionner le cerveau, qui est la conséquence d'une représentation verbale, puisque nous, êtres humains, on vit dans un monde de signes qui désigne des choses, comme vous l'avez dit, totalement imperceptibles, Dieu. Donc ceci prouve que Dieu a un pouvoir sécurisant sur les croyants et qu'il est que la foi est, comme vous l'écrivez, un facteur possible de résilience. Vous pourriez développer un petit peu cette idée, s'il vous plaît. Alors, on a évalué, enfin, nous un petit peu, mais beaucoup de gens que je cite, ont évalué des comparaisons entre des populations de croyants et des populations non-croyants. Il y a des choses, les croyants sont moins anxieux. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de rencontrer Dieu. La plus importante, c'est maman. C'est-à-dire, moi, bébé, aucun bébé ne croit en Dieu le jour de sa naissance. Hein, vous êtes d'accord. C'est-à-dire que pour croire en Dieu, il faut avoir entendu parler de lui par maman, papa,
notre famille, notre culture. Et à ce moment-là, on rencontre Dieu comme on fait une déclaration d'attachement, une déclaration d'amour à maman qui nous protège. Et dès l'instant où on a accès à cette représentation, on sait comment faire pour se sécuriser. Et quand on fait une population de croyants, on se rend compte que même quand ils étaient anxieux, ils ont trouvé un moyen de se sécuriser. On se rend compte qu'une population de croyants se socialise mieux. C'est la socialisation des âmes. Le simple fait de partager la croyance au même Dieu va faire de nous un sentiment de fraternité. Puisqu'on prie et on se représente le même Dieu, c'est qu'on est de la même famille. Et le mot famille, familiarité, c'est le seul vrai tranquillisant culturel. C'est-à-dire qu'il est affectif. Si on prie ensemble, si on croit au même Dieu, eh bien, on a un tranquillisant affectif. Alors, je dis culturel aussi parce que ça dépend des cultes, ça dépend des régions. On a les rituels culturels sont différents selon les régions, mais ils correspondent tous à la même fonction, c'est nous unir, nous apaiser, socialiser les âmes et créer entre nous un sentiment d'appartenance et un sentiment de familiarité. Mais si c'était le cas toujours, à chaque fois, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais on sait bien que des crimes, des atrocités sont commis tous les jours au nom aussi des religions. Donc comment comprendre cette autre facette de la croyance ? Alors moi, je crois que c'est la même facette. Mais c'est que autant la croyance en Dieu a un aspect bénéfique dont vous m'avez invité à parler, mais je crois que quand la croyance est close, quand il y a une fermeture, quand le groupe de croyants pense qu'il est le seul à posséder la vérité, à ce moment-là se met en place ce que j'appelle une morale perverse. C'est-à-dire que cette manière de croire fait qu'on pense qu'on est supérieur aux autres. Nous qui prions ce Dieu, on a un sentiment d'appartenance, dont je vais être, on va s'entraider, on va se solidariser le groupe. Et ceux qui ont un autre Dieu, s'ils meurent, s'ils souffrent, c'est vraiment pas grave. Donc je suis hyper moral avec les gens qui partagent le même Dieu que moi, et je suis pervers avec ceux qui croient en un autre Dieu. Et c'est ce qui explique les tragédies religieuses, parce qu'il y en a eu des tragédies, il y en a encore. Il ne faut pas oublier qu'au Proche-Orient, la guerre se fait pour des problèmes posés il y a 2000 ans. Il ne faut pas oublier que la guerre du Kosovo s'est faite pour des problèmes posés il y a 5 siècles, quand l'armée chrétienne a perdu une bataille contre l'armée musulmane. Donc quand on est prisonnier du passé, on répète toujours la même chose, et là, on arrive à clôturer la représentation, et là, comme vous l'avez dit, ça mène à une tragédie. Mais c'est curable, puisqu'il suffit de dire aux gens, vous avez le droit d'être musulman, chrétien, bouddhiste, c'est bien, c'est respectable, c'est bien, ça fait partie de la condition humaine, mais il faut que vous sachiez que d'autres aiment un autre Dieu que vous, et que c'est tout autant respectable. Parce que sinon, on va arriver à deux mots qui sont très dangereux et qui indiquent le tapis roulant vers le rejet de l'autre. Le premier mot, c'est mécréant, et le deuxième mot, c'est blasphème. Mécréant, ça veut dire malcroyance. Donc, il n'y en a qu'un qui a la bonne croyance, c'est moi. Et blasphème, alors là, il y a un sottisier des blasphèmes assez invraisemblable. Il y a un concours de blasphèmes. Ce qui est blasphématoire dans une culture ne l'est pas dans une autre. Ce qui est blasphématoire même dans une religion, quelques siècles plus tard, n'est plus blasphématoire. C'est-à-dire que ça change. Par exemple, l'onanisme. Onan, ça vient du Lévirat. Dans la religion juive, quand une femme était veuve et que le frère du défunt devait épouser et faire un enfant à la femme veuve. Et Onan refuse de faire un enfant à la femme de son frère défunt. Et Dieu n'est pas content parce que Onan, pour ne pas faire un enfant à cette femme, répand sa semence par terre.
Alors Dieu est très mécontent et punit Onan de mort. Et ça a donné Onan, ça a donné onanisme. Et quand j'étais étudiant en médecine, on nous expliquait que l'onanisme était la source de tous les maux. Et puis on donnait aussi le conseil de l'ordre et le clergé donnait de la perversion une définition curieuse. Il disait « est pervers celui, celle qui a des relations sexuelles sans avoir l'intention de faire un enfant ». Alors, donc cette définition n'a plus aucun sens, bien sûr. Aujourd'hui, n'empêche que c'est la définition que j'ai appris quand j'étais étudiant. Donc ça veut dire que c'est des mots dangereux parce qu'ils mènent à l'exclusion de l'autre, alors que normalement, la religion devrait mener à l'inclusion, à la découverte des autres et le respect de ma religion et le respect de la religion des autres. Il y a aussi différentes façons d'être non-croyant. Vous vous distinguez entre les sans-dieux, les athées et les agnostiques. Est-ce que vous pourriez préciser un peu votre distinction ? Oui, vous n'avez pas une autre question ? Si. Alors, si. Athée, ça veut dire privatif, ouais, de ouais. Dieu. Alors, les Américains disent théiste, enfin, avec l'accent français, théiste et non théiste. Donc, on peut dire différemment. Normalement, le athée croit que Dieu, c'est une croyance. Le athée, le sans-dieu, croit que Dieu n'existe pas. C'est une croyance. Alors que l'agnostique, agnoso, je ne sais pas, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, il ne m'a pas rendu service, donc je ne sais pas. Donc, mais c'est des nuances. Ouais. Et vous, comment vous situez dans ce paysage ? C'est un livre dans lequel vous ne parlez pas beaucoup à la première personne, vous êtes assez en retrait, mais comment vous situez ? Alors, vous avez bien vu, c'est que je ne parle pas de moi, parce que je me suis posé en clinicien. C'est-à-dire que j'avais des patients, des amis qui me disaient, qui avaient des tragédies, et qui me disaient « Dieu m'aide ». Moi, clinicien, je ne pouvais que l'entendre. Mais je ne pouvais pas leur dire « Mais démontre-moi pourquoi maintenant on commence à savoir, comme les questions que vous m'avez posées, maintenant on commence à savoir comment Dieu aide ». Mais je me suis posé en clinicien, c'est-à-dire que j'ai été curieux de voir pourquoi mes amis, certains amis, certains patients étaient aidés par Dieu et comment on pouvait en faire une évaluation et un repère psychologique et neurologique et social. Et vous dites dans le livre que la foi peut venir avec l'âge, avec les années. Donc ce n'est pas votre cas, si cette question n'est pas trop intime. Moi, j'ai pas encore fait ma puberté, alors je peux pas. Vous avez quelques années, alors. Je vous répondrai quand j'aurai fait ma puberté, après. Mais oui, c'est pas les personnes âgées découvrent rarement Dieu, mais ils redécouvrent le Dieu de leur enfance. C'est-à-dire qu'avec l'âge, ils réapprennent à aimer Dieu comme ils ont aimé quand ils étaient enfants. C'est-à-dire que quand dans une population d'enfants préverbaux, c'est-à-dire les évaluations ont été faites chez des bébés de 10 mois, donc bien avant la parole, hein, parce que les bébés, quelle que soit leur culture, apprennent à parler entre le 20e et le 30e mois, quelle que soit la difficulté de la langue qui les entoure, quelle que soit la culture. Sauf que il semble bien que les filles apprennent à parler 50 mots à 17 mois avec des règles de grammaire et un début de double articulation, alors que les garçons ne font cette performance intellectuelle que à 22 mois. Ça reste entre nous, ça. Ça sort pas de la salle. Hein. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi il y a cette maturité précoce des filles. Elles parlent probablement avant les garçons. Les femmes
maîtrisent la parole mieux que les garçons. Et comme elles ont une espérance de vie plus longue que les hommes, c'est elles qui ont le dernier mot. Messieurs, vous pouvez applaudir aussi. Donc vous l'avez dit, vous n'intervenez pas beaucoup dans ce livre et au fil de votre carrière, en fait, vous avez mis du temps à parler à la première personne dans vos livres. C'était la première fois dans Sauve-toi, la vie t'appelle, qui est l'un de vos grands livres, je trouve, une autobiographie, un livre de mémoire dans lequel vous réfléchissez aussi sur les cheminements retors de la mémoire. Vous l'avez publié en 2012 seulement, donc vous aviez 75 ans. Donc pourquoi avoir autant attendu alors que dans Un merveilleux malheur qui date de 1996, vous disiez « on peut toujours parler de soi à condition de ne jamais dire « je ». J'ai dit ça, moi ? Oui, je crois. Je suis encore d'accord. Bon. Mais vous avez dit « je », pourtant. J'ai, comme tous les gens qui ont un traumatisme grave, que ce soit la guerre ou que ce soit un autre traumatisme, c'est difficile d'en parler. Émotionnellement, il faut prendre un peu de recul pour avoir la force de traduire en mots ce qu'on ressent. Et après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, c'était encore plus difficile parce que tout le monde me faisait taire. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est pas possible, ça. Tu racontes de belles histoires. 6 millions de morts, tu racontes de belles histoires. Donc c'était, je me suis dit, bon, ben, les adultes ne sont pas des gens sérieux, c'est plus la peine de parler. D'ailleurs, je n'ai pas changé d'avis. Mais ça veut dire que la culture m'a donné la parole à partir de 1985 avec le film de Lanzmann et puis plus tard avec la décision de Jacques Chirac qui reconnaissait le crime du gouvernement français, pas de la France mais du gouvernement français. Donc à ce moment-là, la culture a changé et les mêmes mots qui n'étaient pas entendus en 1950, en 1960, les mêmes mots ont été souhaités, entendus et commentés en 1980-90 parce que la culture avait changé. Et là, j'ai été invité à m'expliquer. Mais je crois que ce n'est pas une autobiographie. C'est une mémoire revisitée. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que je travaille avec des historiens, Denis Péchanski, entre autres, qui associe l'histoire avec la neurologie. Vous avez bien entendu. Parce que ce qu'on grave dans notre mémoire dépend de la manière dont notre cerveau a été construit par notre milieu. Vous me suivez ? C'est bien pour une cartésienne. Hein ? C'est-à-dire que notre cerveau est sculpté par notre milieu, nos rencontres, nos émotions. Ce qui veut dire qu'un bébé, un enfant qui est sculpté dans un milieu ne voit pas le monde de la même manière qu'un autre enfant sculpté par un autre milieu. Donc chacun voit son monde, ne ment pas et peut être en total désaccord avec l'autre. Donc c'est vrai pour des populations d'enfants, c'est vrai pour les frères-sœurs. Vous avez des frères, des sœurs ? Ce soir, si vous voulez vous disputer avec eux, vous dites... Je ne vis plus avec eux, par téléphone peut-être. Téléphonez-leur et dites-leur, tu te rappelles l'anniversaire de maman quand on était à Arcachon ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'y étais pas. Mais si, j'y étais. Mais non, tu n'y étais pas, vous allez voir. Ça marche à tous les coups. Et personne ne ment. Simplement, on n'a pas été rendu sensible aux mêmes événements. Et un frère, une sœur a été touché par un événement alors que l'autre, au même endroit, au même moment, n'a pas été touché par ce même événement, n'a pas été sensible. Donc il y en a un qui va faire une hypermémoire et l'autre qui va faire une absence totale de mémoire. Et alors, en plus, quand on raconte, c'est pour ça que dans La vie t'appelle, ce n'est pas une autobiographie, c'est j'ai été
sincère. J'ai essayé de dire les choses telles que je me souvenais. Et ensuite, j'ai vérifié. Vous avez mené une enquête et... Oui. J'ai mené une enquête sur mes souvenirs. Et là, j'ai eu des surprises, beaucoup de surprises. Alors, il y a des surprises surprenantes. Et la mémoire, ce n'est pas le retour du passé. La mémoire, c'est la représentation du passé. C'est-à-dire que c'est à partir du présent qu'on éclaire le passé. Donc, ça veut dire que si vous êtes malheureuse, vous allez intentionnellement chercher dans votre passé des images et des mots vrais qui vont expliquer pourquoi vous êtes malheureuse aujourd'hui. Si vous êtes heureuse, vous allez intentionnellement chercher dans votre passé d'autres images et d'autres mots qui vont dire, qui vont expliquer pourquoi vous êtes heureuse aujourd'hui. Vous allez avoir une mémoire complètement différente, vous allez dire le contraire de ce que vous avez dit, et pourtant vous êtes sincère dans les deux cas. C'est une forme de mise en récit ou d'histoire. Enfin, vous avez beaucoup écrit aussi sur ces thèmes, sur ce besoin parfois d'héroïser ou de recourir à une narration, une fiction quelquefois. Enfin. Ben, nous, êtres humains, on ne peut pas ne pas parler. Si on parle pas, on parle avec des mots, mais on peut parler aussi avec les vêtements. On peut parler, on peut parler avec les poils, et les poils sont sémantisés. Hein, il y a des poils d'extrême gauche, les poils de Karl Marx, et puis il y a les poils d'extrême droite. C'est-à-dire que même nos poils sont sémantisés. C'est quand on a les moyens d'employer ce genre d'argument, de récit. Mais ça veut dire que nous, êtres humains, on fait signe avec tout. Alors, on vit, c'est pour ça qu'on peut faire signe à Dieu, c'est pour ça qu'on peut et le ressentir. Et les croyants disent, je sais qu'il est là puisque je le sens au fond de moi. Je n'ai pas besoin de le prouver, je le sais, je le sens. Pourquoi voulez-vous que je le prouve? C'est les non-croyants qui demandent des preuves de l'existence de Dieu. Les croyants n'ont pas besoin de preuves puisqu'ils le sentent en eux. Donc ça veut dire que là, c'est des cheminements très différent que j'ai essayé de comprendre dans ce livre avec une enquête, avec les enfants, avec des populations et avec des cultures différentes. Parce que si vous naissez, il y a une cartographie des religions, si vous naissez en Égypte, vous avez statistiquement bien plus de chances de devenir musulman que bouddhiste. Ça veut dire qu'autour de vous, il y aura maman qui est celle qui est essentiellement, quelle que soit la religion, présente Dieu, il y aura papa, il y aura la famille, il y aura le quartier, il y aura la culture. À ce moment-là, vous avez un sentiment d'appartenance et en cas de malheur, vous avez, comme vous m'avez invité à le dire tout à l'heure, un soutien précieux au risque de la clôture, comme on le voit actuellement, surtout au Proche-Orient, mais on le voit dans d'autres pays, on le voit aux États-Unis, ça réapparaît. Et donc on voit le risque de la clôture qui est une déclaration de guerre. Et le fait d'avoir voulu devenir psychiatre pour vous, ça, à quel moment ça s'est imposé? Est-ce que c'était aussi une étape dans une résilience peut-être? Enfin, je ne sais pas comment vous pouvez répondre. Est-ce que votre vie à vous est aussi un exemple de résilience tel que vous l'avez pensé, analysé ou... J'ai eu une enfance un peu curieuse, mais j'avais été équilibré, j'aurais été menuisier comme mon père. Mais, pourquoi parce que je me serais identifié à lui, j'aurais admiré mon père que j'aurais pris pour un héros familial et j'aurais voulu faire ce qu'il fait et apprendre ce qu'il savait. Mais à cause de cette enfance fracassée par la guerre, ça m'a rendu complètement psychiatre. C'est-à-dire que j'ai été obligé de me poser des problèmes et ça c'est passionnant. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir à se demander pourquoi, c'est le début d'une aventure
intellectuelle, c'est le début de la lecture, c'est le début des voyages, c'est le début des rencontres. C'est-à-dire que pourquoi, c'est vraiment le mot magique qui nous permet d'avoir un monde intime, de le créer et de l'éprouver. Et de le partager. Dans cette aventure intellectuelle, vous êtes aussi au sein de différents groupes, vous dirigez des groupes de travail, vous avez publié plusieurs ouvrages, enfin dirigé plusieurs ouvrages collectifs. Donc quelle est la part de cette réflexion collective dans l'élaboration de vos livres plus personnels et peut-être plus grand public? Comment ouais, les deux s'articulent? Alors, je pense qu'on a de plus en plus de mal à faire la séparation entre les récits intimes et les récits collectifs. Quand un événement collectif arrive, si cet événement provoque une émotion, ça devient mémoire intime. C'est-à-dire qu'on croit... Je ne mets dans mes récits de moi que ce que vous y avez mis. Vos colères, vos sourires, vos accords, vos désaccords. Elle a pensé ça, elle m'a dit ça, elle s'est fâchée quand ? Mon monde intime, le récit que je fais de mon autobiographie, n'est composé que de ce que vous y avez mis. Alors c'est vrai au point de vue relationnel, par exemple quand on travaille avec les enfants isolés, ils n'ont rien à mettre en mémoire. N'ayant pas eu d'émotion, n'ayant pas eu de relation, qu'est-ce que vous voulez qu'ils mettent en mémoire ? Rien. Quand on travaille avec des gens qui connaissent des événements collectifs, là je vais citer Denis Péchanski que j'ai cité tout à l'heure, il y a l'attentat des Twin Towers, c'était en septembre de 2001. C'est un chef-d'œuvre de terrorisme, c'est-à-dire que en sacrifiant 11 hommes, le monde entier, la planète entière a été terrorisée. Je devais partir prendre l'avion le lendemain pour aller au Brésil. Roissy était vide. Tout le monde, l'immense majorité des gens, étaient glacés par ce chef-d'œuvre d'attentat. Et il n'y avait que 11 morts, 11 sacrifiés qui n'étaient pas morts. Eux, ils ne se sont pas suicidés, ils ont eu une promotion, parce que pour eux, ils vivaient mieux après, ce qui pour nous n'est qu'une mort. Pour eux, c'était une promotion, ce n'était pas un suicide, c'était vivre une autre vie bien meilleure et transcendante. Donc le mot suicide et le mot mort ne conviennent pas. Lorsque on voit ces chefs-d'œuvre d'attente, ces chefs-d'œuvre de terrorisme, Denis a téléphoné aux gens, à ses amis, ses collègues qui étaient à New York, et leur a dit « Interrogez le plus de gens possible, enregistrez ce qu'ils disent et demandez-leur leurs coordonnées de téléphone et de mail. » Ce qui a été fait pour plusieurs centaines de... Vous savez, quand les Américains survivants ont descendu avec un ordre impeccable et un silence impeccable, et après un traumatisme, contrairement à ce qu'on voit dans les films, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'étonnant silence. J'étais à Santiago du Chili le lendemain d'un tremblement de terre qui avait complètement écrasé la ville de Concepción. Et l'aéroport de Santiago était écrasé aussi, mais il y avait une piste loin où on pouvait se poser et il y avait des douanes installées dans des tentes. Et le lendemain, il y a eu une réplique. Et j'étais chez des amis... Les tiroirs sortent des buffets, tombent dans la pièce, une grande fente apparaît dans le mur, un silence étonnant, on descend par l'escalier, bien sûr, on ne prend pas l'ascenseur, on descend par l'escalier, on se retrouve dans la rue, un silence incroyable. Pas de voiture, pas de bruit, pas d'animaux. Personne ne parlait, ce qui m'a frappé, c'est le silence incroyable. C'est ce qui s'est passé après les Twin Towers. Les gens, les Américains ont descendu, les Américains et les non-Américains qui travaillaient à Manhattan, ont descendu sans dire un mot. Enregistré, mail, téléphone. Un mois après, Denis demande à ses collègues, voulez-vous revoir ces gens ?
et leur poser les mêmes questions. Un mois après, tous les gens racontaient, tout de suite après, les gens disaient « je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas, expliquez-moi ». Et c'est les gens qui n'étaient pas à New York qui devaient leur expliquer, parce qu'eux ne savaient pas que c'était un attentat, eux n'avaient rien vu, rien compris. Un mois après, les mêmes personnes interrogées faisaient toutes un récit cohérent. J'ai vu l'avion rentrer dans les tours, j'ai tout de suite compris que c'était un attentat. Je suis descendu par l'escalier, il y avait un ordre impeccable. J'ai vu les pompiers remonter en sens inverse pour tenter. Ils avaient fait converger des sources différentes de mémoire. Ce qui était dans leur mémoire, hébété, je ne comprends pas ce qui se passe, ce qui était dans la mémoire des autres qui leur avaient raconté ce qui s'était passé, ce qui était dans la mémoire de la télévision, les images qu'ils avaient vues, et un mois après, ils faisaient un récit cohérent où tout était vrai. Sauf qu'ils ne l'avaient pas vécu. Alors, ce que je viens de résumer, là, c'est vrai pour tout, pour ce que vous allez faire ce soir quand vous vous disputerez avec vos frères et sœurs. C'est vrai. Grâce à vous. Il y a un thème qu'on n'a pas encore abordé. Vous avez, en tant que qu'éthologue, aussi beaucoup travaillé, réfléchi sur les animaux, sur la condition animale. Qu'est-ce que vous ont appris les animaux, si c'est possible de résumer? Eh bien voilà, c'est encore une question cartésienne. Décidément. C'est-à-dire que en éthologie animale ou humaine, moi je considère que c'est la même chose. C'est des êtres vivants qu'on observe dans leur milieu. On essaye de ne pas faire de laboratoire, mais quand il y a un accident de la nature, tremblement de terre, bagarre, épidémie, en clinicien, on observe ce qu'un clinicien pour animal sait faire, un vétérinaire, ce qu'un clinicien pour être humain sait faire. Donc ça veut dire que c'est une sémiologie. Sémiologie, c'est la science des signes, l'étude des signes. Et quand on compare, non pas la distinction entre les hommes et les animaux, mais quand on fait des études sur tout ce qui est vivant, on se rend compte qu'on partage avec les animaux beaucoup de choses. On partage la même biologie, même si elle est différente d'une espèce à l'autre. On partage des chromosomes. Vous savez qu'on a à peu près 28 000 gènes dans nos chromosomes, c'est-à-dire à peu près le même nombre de gènes qu'un ver de terre. Les vers de terre sont vexés de ressembler aux êtres humains. C'est-à-dire que mais ça s'agence de manière différente, et surtout le milieu le sculpte et lui donne des développements différents, et ça peut donner un ver de terre, un mammifère ou un être humain, qui est aussi un mammifère d'ailleurs. Donc quand on raisonne en termes de vivant, de monde vivant, on se rend compte qu'on partage des nécessités biologiques, on partage des nécessités évolutives. Si le milieu change, si nous on ne change pas, on est éliminé. Or, le milieu passe son temps à changer parce qu'il y a des comètes, parce qu'il y a des inondations, des incendies, parce que de toute façon, la vie change tout le temps, la vie des plantes change tout le temps, la vie des animaux et notre propre vie change tout le temps. Et on se rend compte que plus on observe les animaux, plus on comprend les êtres humains, parce que ce qui caractérise la dimension humaine, c'est ce que vous m'avez invité à répondre dès le début de notre échange, notre entretien, c'est quand même le monde de la parole. Dès l'instant où on crée le monde de la parole, on rend présent quelque chose qui n'est pas là. Donc c'est pour ça qu'on est doué pour croire en Dieu. Alors que les animaux peuvent répondre à des choses qui ne sont pas là, mais ils arrêtent leur développement à la double articulation. C'est-à-dire que la double articulation, c'est réembarquons. Réembarquons, ré à nouveau, barque un objet qui flotte, on tous ensemble. Alors si on dit réembarquons un chien, il s'en moque éperdument.
Alors, dans ce livre-là, je cite une expérience de très haut niveau que j'ai faite chez un ami qui avait. On se réunissait à la montagne tous les étés. Et cet ami avait deux chiens setters irlandais magnifiques, roux et même très beaux. Et tout le monde faisait la sieste. Et puis, à un moment, il mettait sa casquette et il disait on y va. Et hop, les chiens filaient comme pour un départ de 100 mètres. Ils filaient vers la serrure, ils regardaient la serrure, le maître, la serrure, le maître. Ils étaient prêts au départ de 100 mètres. Alors, comme j'ai l'esprit expérimental, j'ai mis la casquette de mon ami pendant qu'il faisait la sieste. Je lui ai mis la casquette sur la tête. Hop, les chiens se sont dressés. Ils n'ont pas été vers la porte. Alors, j'ai enlevé la casquette et à la place, j'ai mis le livre que j'étais en train de lire, la psychologie des masses de Serge Moscovici, et je lui ai mis sur la tête. Hop, les chiens se sont dressés. Donc, j'en ai conclu que c'était un signal qui déclenchait le comportement de fête de mes chiens et ce n'était pas la psychologie des masses de Moscovici. Oui, vous avez été assez pionnier dans votre réflexion sur les animaux. Enfin, là, en 10 ans, dix petites années, la réflexion s'est énormément développée. Est-ce que vous êtes satisfait et de voir que ça s'est développé ainsi et... Alors, il était temps. L'éthologie animale, c'est pas très bien développé parce qu'on reste cartésien et que le corps est d'un côté, l'âme de l'autre, alors que nous, on pense que le corps et l'âme, c'est ce qu'on a débattu, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour que j'ai une âme, il faut que vous soyez là. Seul, je ne peux pas avoir d'âme. Je ne peux avoir que des activités auto-centrées, stéréotypées, que je sois un chien, un singe ou un bébé humain abandonné. C'est l'altérité, c'est l'autre qui fait le jeu. Voilà, c'est l'autre qui stimule mes neurones et m'éveille à la conscience. Donc je ne peux devenir moi-même que si vous êtes là, que s'il y a une altérité. Seul, je ne peux pas devenir humain. Alors, l'éthologie animale ne s'est pas bien développée parce que nos décideurs politiques on pensait que c'était sans intérêt, ce que ne pensent pas les Japonais ou les Américains ou les Québécois qui font d'excellentes publications, mais ce qu'on a pensé en France. Et paradoxalement, l'éthologie animale s'est très bien développée en éthologie humaine, c'est-à-dire qu'on n'a pas extrapolé. Un chien, c'est pas un chat, c'est pas un être humain, on ne peut pas passer d'une espèce à l'autre. Même si on partage beaucoup de choses dans le monde vivant, une espèce est spéciale, par définition. Donc, on ne peut pas extrapoler. Mais en revanche, les méthodes mises au point en éthologie animale, on les a appliquées en clinique humaine, en éthologie humaine. Et on a découvert le monde des bébés préverbaux, les théories de l'attachement. Et dans les théories de l'attachement, on a rendu observable et expérimentable que les bébés comprennent des tas de choses bien avant la parole. Alors que je fais partie d'une génération où on nous disait « Tant qu'un bébé ne parle pas, il ne peut rien comprendre ». Et c'est des profs que j'admirais beaucoup qui disaient ça. Or maintenant, grâce à l'éthologie humaine, on sait que les bébés comprennent des tas de choses bien avant la parole. Alors quand même, c'est pour ça peut-être d'ailleurs qu'aucun être humain ne parle le jour de sa naissance. Ce que je viens de dire n'est pas tout à fait vrai. Il y en a un seul qui a parlé le jour de sa naissance, c'est Pantagruel, qui à peine né s'est écrié « à boire, je veux du bon vin ». Mais à part Rabelais et Pantagruel, aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Il lui faut 20 mois en moyenne pour s'imprégner des mimiques, des gestes, des sonorités, de la musique, des mots, de façon à comprendre que l'objet sonore qu'on appelle parole désigne quelque chose qui n'est pas là. Et quand il a compris, vers le 20e mois, quand il a compris, il n'a plus qu'à apprendre le langage dit maternel, la langue maternelle, c'est-à-dire qu'en 10 mois,
tout bébé, quelle que soit la difficulté de la langue, quelle que soit sa culture, tout bébé du 20e au 30e mois apprend toute langue, sans livre, sans école, sans prof, performance intellectuelle qu'on ne pourra plus jamais refaire dans notre vie. Donc ça veut dire qu'il y a non seulement les bébés préverbaux comprennent énormément de choses, ils se préparent à la parole, et quand ils ont compris le truc de la parole, paf, en 10 mois, ils apprennent tout. Sans école, il faudrait supprimer l'école. Ben merci beaucoup, Boris Cyrulnik. Je vais maintenant vous passer la parole. Je suis sûre que vous avez de nombreuses questions à poser à notre invité. Donc n'hésitez pas à lever le bras, à demander des micros. Oui, devant, là. Oui, bonjour. J'aurais deux questions, moi, si c'est possible, hein, si c'est compris dans le forfait. Donc, première question, est-ce qu'on peut expliquer la différence de niveau de violence entre les hommes et les femmes, hein? Deux chiffres. En France, dans les prisons françaises, 97% des détenus sont des hommes, 3% des femmes. Tous les 3 jours, une femme est tuée par son compagnon. Alors, est-ce que c'est un problème physiologique, testostérone et autres, psychologie, d'éducation, etc. Deuxième question, pour les gens qui ont subi des violences très jeunes, souvent, et qui n'ont pas eu les moyens, je dirais, de mener une résilience, ils ont en eux une force de vengeance de la société. Et comment doit-on juger ces hommes ? Est-ce qu'on peut les soigner ? Quelle serait la solution ? Merci. Merci. Alors, bien sûr, c'est une question fondamentale, donc pas facile. Alors, ce que vous dites est vrai. Dans les prisons, il n'y a pratiquement que des hommes et très peu de femmes. L'infanticide, en revanche, c'est un phénomène de femmes et très peu d'hommes. Mais ce que vous dites est vrai. Alors, l'explication que je propose, c'est que on est la première culture depuis 2 générations où la violence n'est que destruction. C'est-à-dire que toutes les sociétés se sont faites grâce à la violence. On a les cités-états d'Assyrie, quand il n'y avait plus à boire, quand il n'y avait plus à manger, on galvanisait quelques hommes, on les envoyait attaquer la cité d'à côté. Il paraît que c'était très mortifère, il paraît qu'il y avait beaucoup de gens, et on héroïsait ces hommes, hein, pas ces femmes. Quand le travail était violent, j'ai été praticien pendant 36 ou 37 ans, il y avait des mineurs qui travaillaient 15 heures par jour, 6 jours par semaine, et la violence du travail et leur propre violence était une adaptation à la violence du travail. Donc c'est vrai que les hommes sont plus violents, peut-être biologiquement, mais ils sont plus violents aussi parce que la culture les y a entraînés dans les phénomènes de guerre. Je travaille souvent au Proche-Orient. Un petit garçon qui n'est pas violent est méprisé par sa famille, par sa mère, par ses sœurs. Ce n'est pas un homme. Donc, alors, il y a peut-être quand même un point de départ biologique. J'emploie le conditionnel. Hein. C'est que les femmes sont XX, chromosome XX. C'est-à-dire que quand une altération est portée sur un chromosome et pas sur l'autre chromosome, la tare est portée et ne s'exprime pas. Alors que, de plus, les petites femmes, probablement maîtrisant mieux la parole que les hommes, ont d'autres modes d'expression que la violence physique. Ensuite, les hommes sont XY. Or, le chromosome Y est un chromosome fragile, ce qui fait qu'il porte toutes les tares. C'est-à-dire que quand une tare existe, elle ne peut pas ne pas s'exprimer. Et qu'on voit, par exemple, dans les consultations de pédopsychiatrie, de psychiatrie pour enfants, il n'y a pratiquement que des petits garçons. Il y a très peu de filles. Parce que les filles sont plus précoces, elles maîtrisent la parole, elles sont plus dociles, et après la puberté, les filles deviennent plus anxieuses. Et l'angoisse, les bons résultats scolaires des filles sont probablement un bénéfice secondaire de l'angoisse.
Mon Dieu, qu'est-ce que va dire la prof ? Oh là là, j'ai pas fait mes devoirs. Alors que les garçons disent, je les ferai plus tard, hein, y a un match de foot à la télé, on verra plus tard. Hein. Et donc, et puis en plus de ça, il y a une vitesse de maturation où les filles sont en avance sur les garçons. À 12 ans, une petite. D'abord, maintenant, les règles des filles apparaissent de plus en plus tôt. Or, 18 mois après l'apparition des règles, les filles arrêtent leur croissance, c'est-à-dire qu'au moment du bac, elles ont terminé leur fatigue de croissance. Alors que les garçons qui sont en retard commencent leur fatigue de croissance au moment du bac. Donc là, il y a tout un développement qui est totalement différent pour les filles et les garçons. Vous m'avez posé la question en termes biologiques. C'est ma réponse, mais ça n'exclut absolument pas les déterminants culturels qui, eux aussi, quand j'étais gamin, on apprenait la violence aux hommes et un homme non violent était méprisé. Et alors qu'aujourd'hui, par bonheur, dans notre culture qui vient de naître et qui n'existe qu'en Occident, la violence n'est que destruction. Destruction du groupe, destruction du couple, destruction des enfants, etc. Mais ça, c'est un phénomène culturel très récent. Alors voilà, j'ai oublié votre deuxième question. Oui, pardon. Oui, c'était sur les problèmes de résilience. Hein. Les gens qui ont subi des violences, qui n'ont pas de résilience et qui se vengent sur un autre être humain. Merci pour ces deux questions, merci. C'est-à-dire que quand, il n'y a pas longtemps encore, j'ai eu à la Pitié-Salpêtrière un professeur qui disait « Un enfant violenté est foutu, c'est pas la peine de s'en occuper. » Et ne s'en occupant pas, eh ben, il ne déclenchait pas un processus de résilience puisqu'on l'abandonnait. Il n'y avait pas d'altérité. On le laissait avec sa souffrance. Comment voulez-vous qu'il déclenche un processus de résilience ? Donc effectivement, c'était ce que les sociologues appellent une prophétie autoréalisatrice. Effectivement, ne s'occupant pas de ses enfants, il ne s'en sortait pas. C'est l'expression qu'il disait. C'est ce que disent les syndromes psychotraumatiques. Hein. Quand on ne les entoure pas, ils disent « je ne pense qu'à ça ». Mais notre culture, là aussi, est en train de changer. Et après le Bataclan, il y a eu beaucoup d'associations, beaucoup d'amitiés, beaucoup de téléphones, beaucoup de rendez-vous. Et les syndromes psychotraumatiques, un an après, 90% des syndromes psychotraumatiques avaient disparu. Parce qu'on les avait entourés, on les avait sécurisés, on leur avait dit « on va t'aider ». Si tu parles si tu veux, je ne te force pas à parler, mais je suis là, je suis à ta disposition quand tu voudras. Un an après, 90% avaient déclenché un processus de résilience. Alors qu'après la guerre du Vietnam, on considérait, ou après la guerre de 14-18 en France, on considérait qu'un soldat qui avait un syndrome psychotraumatique était un lâche et il était giflé ou puni. Ou emprisonnés, ou même pendant la guerre de 14-18, certains ont été fusillés. Alors, c'est ce que je disais pour la Shoah avec Lanzmann et Chirac, c'est-à-dire que c'est la modification du contexte culturel qui modifie l'expression de la souffrance. Et que si on agit sur la culture, grâce aux journalistes, grâce aux écrivains, grâce aux cinéastes, grâce aux philosophes, aux psychologues, tous les fabricants de récits, en agissant sur la culture, on peut donner la parole aux blessés, et là, on aura un gros pourcentage de processus de résilience, mais bien sûr, ça ne sera jamais 100%. Merci pour voilà. Ces réponses très éclairantes. Moi, je voulais parler de l'écriture ou la vie de Georges Sempronne. Vous avez dit tout à l'heure que quand on a subi un traumatisme important, il est très difficile d'en parler. Lui, il illustre tout à fait cela, puisque en rentrant de Buchenwald, il n'a pas pu raconter ce qu'il avait vécu. Et ce n'est que 20 ans après qu'il a écrit l'écriture ou la vie. Parce qu'à ce moment-là, ce qui s'imposait à lui, c'est que s'il ne parlait pas, il était coupable de ne pas donner la mémoire de ces événements aux jeunes générations qui ne les avaient pas vécues. Bon, ça, c'était mon premier témoignage. Le deuxième, c'est que ce que vous venez de dire pose en fait le problème de l'accès à la vérité. En fait, on ne sait les choses qu'à travers ce que l'on peut en dire. Or, comme chacun a une vision partielle et partiale de ce qu'il vit,
à travers son éducation, à travers le mode de vie des gens qui l'entourent, chacun raconte les événements. Alors ça pose l'énorme problème du témoignage en justice. Bon, mon mari et moi, nous sommes très centrés là-dessus parce que mon mari est l'aumônier de la prison centrale de Poissy et depuis 20 ans, il voit des cas très traumatisants. Donc voilà, alors comment peut-on demander à quelqu'un de témoigner son témoignage entraînant la vie ou la mort d'un autre individu alors que l'on sait qu'il n'a qu'une vision, encore une fois, partielle et partielle de la vérité? Alors c'est sa vérité, c'est la vérité pour lui, et le témoignage, effectivement, comme vous l'avez dit, n'est vraiment pas fiable. Il y a beaucoup d'expérimentations qui montrent que plus les enfants sont très suggestibles et ils disent ce que les adultes attendent d'eux. C'est-à-dire que là, les juges, qui sont majoritairement des femmes, ont un métier difficile, parce que le témoignage n'est pas fiable, très peu fiable. Mais l'expression du témoin est nécessaire. C'est-à-dire que le témoin doit lui donner un lieu de parole et il doit dire ce qui est sa vérité, c'est vrai pour lui. C'est peut-être pas une vérité générale, puisque de toute façon, tout change. L'univers change, l'écologie change, les animaux changent, nous-mêmes on change, physiquement et mentalement et culturellement. Donc on est contraint, nous, à l'adaptation constante. Donc ce qui est vrai dans un contexte n'est pas dans un autre. Alors il y a, et puis comme vous l'avez presque dit, il faut se méfier de l'évidence. Par exemple, il est évident que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est évident, on va tous sortir et on va tous être d'accord. C'est évident que la Terre est plate. C'est évident. Donc c'est une évidence. N'empêche que si on refait l'expérimentation de Pascal, on va sur la plage et puis vous êtes chargé de dire top, il y a des bateaux au fond, et quand la voile du bateau disparaîtra, vous direz top. Et puis vous allez monter sur une échelle, et quand la voile du bateau disparaîtra, vous allez dire top. Qu'est-ce qui se passe? Elle va dire top avant ceux qui sont tout en haut, parce que la Terre est ronde. Et elle dira top avant. Donc l'évidence est un piège de la pensée. Voilà, j'espère qu'avant cette soirée, vous aviez les idées claires. Vous allez repartir avec de nombreuses questions. Une autre, on a le temps, peut-être. Oui, vous avez le micro. Oui. Merci. Je voudrais savoir quel est le dispositif, le processus... Levez le bras, oui. Oui, le processus qui fait qu'un jour, le voile noir s'arrête. Après une longue amnésie, la mémoire réapparaît et dire est possible. Qu'est-ce qui produit le dévoilement? Alors, quand on fait de la neuroimagerie aux gens, ça a été fait parce qu'après un traumatisme, beaucoup de gens sont tellement chaos, hébétés, que beaucoup de pompiers ou beaucoup de médecins, après le Bataclan, disaient « c'est pas possible, le cerveau doit être abîmé, c'est pas possible ». Et ils ont demandé des résonances, des scanners et des résonances magnétiques. Le cerveau n'était pas abîmé, il était éteint, tout gris. La sidération émotionnelle l'empêchait de traiter les informations. Donc il y avait une amnésie, puisqu'il ne traitait plus les informations, il était coupé du réel. Si on sécurise les gens, préverbalement, je suis là. Alors ça peut être un prêtre, ça peut être un moniteur de sport, ça peut être un psychologue, ça peut être votre mère, même votre conjoint des fois. Hein. C'est-à-dire que si quelqu'un vous sécurise, tout doucement le cerveau se remet à fonctionner. Et si la culture vous redonne la parole, à ce moment-là, vous redevenez capable, les souvenirs réapparaissent et vous redevenez capable de les traduire en mots.
Mais pour ça, c'est un lent processus qui passe d'abord par la sécurisation préverbale avant d'arriver ensuite au travail de la parole. Donc ça, on le mesure, on le photographie, même sans difficulté. Et là, on sait que maintenant, il y a des méthodes relationnelles qui permettent d'accélérer le recouvrement de la mémoire, alors qu'avant, on abandonnait ces gens qui étaient effrayés partout, et là, il y avait de longues périodes d'amnésie. Alors maintenant qu'on sécurise les gens, il peut y avoir des amnésies, mais elles sont beaucoup moins longues, elles sont beaucoup plus faciles à récupérer. Merci. Une autre question ? Est-ce que je peux poser une question qui est dans le... Par là. Je vous vois. Ah oui, d'accord. Là, là-bas. Oui. Oui, c'est un petit peu dans le même fil de ce que vous venez d'évoquer. Tous, je pense à ces grands vieillards qui sont en maison de retraite, à qui on a posé un diagnostic Alzheimer et qui, lorsqu'ils sont accompagnés de façon empathique, justement, vont pouvoir remettre des mots sur des épreuves de vie qui n'étaient pas résolues. Et je voulais savoir ce que vous pensiez justement de... est-ce que le grand vieillard ne souhaite pas mettre de l'ordre au prix de la perte de sa raison raisonnable pour pouvoir mourir en paix avec lui-même ? Alors, vous avez raison, le déni est un mode de protection qui permet de ne pas avoir d'angoisse et pour les Alzheimer ou les gens âgés de mourir en paix. Mais ça empêche le processus de résilience. C'est un mécanisme de protection. Ça me permet de moins souffrir, mais ça m'empêche d'affronter le problème. Alors, dans les maladies d'Alzheimer, effectivement, ça se voit. Beaucoup de patients d'Alzheimer, quand ils sont sécurisés, ont des flashs de mémoire qui reviennent. Et dès qu'ils sont insécurisés, hop, la mémoire s'éteint à nouveau. Donc ça, c'est vrai pour les bébés, c'est vrai pour les adultes, c'est vrai pour les personnes âgées. Sauf que la mémoire des personnes âgées, elle est particulière. La mémoire de travail, c'est-à-dire la mémoire immédiate qu'ont les jeunes quand on a jusqu'à l'âge de 30-40 ans, quand on met sa clé de voiture quelque part en pensant à autre chose, le lendemain ou quelques heures après, hop, on sait retrouver les clés de voiture. Après 40 ans, ça devient difficile. Alors... Donc ça, c'est la mémoire de travail. Et quand cette mémoire de travail disparaît avec l'âge, elle s'altère avec l'âge, ça fait ressurgir les empreintes. Alors ça peut être l'empreinte d'un trauma qui ressurgit, ou ça peut être l'empreinte des premiers amours quand on était enfant, l'amour de Dieu. Si on a appris à aimer Dieu de manière paisible, les gens âgés se remettent à aimer Dieu en souriant. Si on a appris à aimer un Dieu qui punit, un Dieu punisseur, un Dieu rigide, eh bien, on voit que Dieu devient facteur d'angoisse et on voit les gens qui recommencent à avoir peur de Dieu parce que c'est comme ça qu'ils ont appris à rencontrer Dieu quand ils étaient enfants. C'est un phénomène de mémoire qui ressurgit avec la mémoire particulière des gens âgés. Merci. Peut-être une dernière question. On a déjà dépassé un petit peu. Oui, là. Merci. Oui, bonjour. On ne vous voit pas, on vous entend, mais... Ah, d'accord, merci. Bonjour. Par rapport au livre que vous avez écrit, M. Cyrulnik, j'aurais bien aimé savoir, de façon résumée, succincte, si vous pensez qu'il y a un pont à faire entre la représentation de Dieu et le rôle du Père dans toutes les cultures. Vaste question. Non, dans la religion catholique, Dieu est une image paternelle. Notre Père qui êtes aux cieux, c'est une image paternelle. D'ailleurs, il a une barbe blanche, alors que son fils a une barbe noire. Son fils est mort à 33 ans, donc il a une barbe noire. Et puis le Dieu des chrétiens, il a une robe, parce que c'est plus noble qu'un Bermuda. J'ai jamais vu le Dieu des chrétiens habillé en Bermuda, c'est pas pensable. Donc ça veut dire qu'il y a une imagerie qui en fait une image paternelle. Marie, Marie, c'est pas une femme, c'est une mère, parce que les mères sont pas des femmes. C'est-à-dire que les mères, c'est à part, c'est une espèce à part. Et puis il y a les femmes.
Alors, donc, ça veut dire que les religions asiatiques que j'ai moins bien étudiées, même si j'étais en Chine et au Japon, sont, paraît-il, plus philosophiques. Mais enfin, c'est quand même une image paternelle. Alors, mais les philosophies religieuses asiatiques sont particulières. Par exemple, j'avais beaucoup sympathisé avec Masahiro Ito, et qui m'expliquait les religions asiatiques. Alors il me disait, bah, écoute, nous, on est shintoïste, on se marie chrétien et on meurt bouddhiste. Alors je disais, mais ça vous dérange pas comme ça de changer de religion? On ne change pas de religion. On est shintoïste parce qu'en Asie, on attache beaucoup d'importance à la filiation. Donc la théorie shintoïste nous plaît beaucoup. On se marie chrétien parce que c'est tellement romantique. Et on meurt bouddhiste parce que la métempsychose nous permet de croire et qu'on va continuer à vivre. Donc pour eux, ce n'est pas un problème. Alors pour eux, le problème d'apostat, de changement de religion, ils ne comprennent pas. Pour eux, alors il y a des musulmans en Asie, il y a des chrétiens aussi. Il y a des musulmans. Mais pour les philosophies asiatiques, les philosophies religieuses asiatiques, ils comprennent pas. Il suffit de se représenter une image paternelle, quelqu'un de sécurisant qui va nous dire ou nous suggérer ce qu'il faut faire. Alors ce que j'ai vu en visitant les temples à Tokyo, si vous devez aller à Tokyo, hein, c'est une ville merveilleuse. Les Japonais sont d'une politesse. C'est des gens merveilleux et la ville de Kyoto est extraordinaire. Alors, ils disent, nous, on est plus philosophes que croyants. Bon, je veux bien les croire. Alors, je dis, mais j'irais bien voir une cérémonie religieuse. Et je vais avec eux. À l'entrée, il y a une cloche. Celui, celle qui se sent en difficulté, qui a besoin de se replier pour penser à quelque chose d'au-dessus, d'une transcendance au-dessus de la condition humaine, il prend le fil de la cloche, il sonne Dieu pour entrer en relation avec lui et il se met en prière comme les chrétiens. C'est-à-dire que, et je pense que ça marche. Je pense qu'il entre en relation, il a son petit rituel trans-religieux que peut-être nous, on accepterait plus difficilement, que les musulmans accepteraient encore plus difficilement, mais qui, dans les pays asiatiques, ne pose aucun problème. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je suis très content de ma réponse. Merci pour votre présence. Merci beaucoup à Boris Cyrulnik, que vous pouvez retrouver à la librairie du théâtre où il dédicacera son dernier ouvrage et les précédents publiés par les éditions Odile Jacob. Merci à vous. Bonne soirée.